Le musée maritime de Halifax a été le théâtre de la publication d'un rapport du comité sénatorial sur la mise en œuvre d'une pêche fondée sur les droits des Autochtones. Le sénateur Dan Christmas n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le gouvernement fédéral fait fi d'un droit de pêche issu de traités. In fact, witnesses said authorities had been harassing Indigenous fishers for years, seizing their gear, making arrests, and effectively criminalizing them for exercising their long-held and Supreme Court-affirmed treaty right. Le sénateur Fabian Manning a convenu. We heard testimony from witnesses that law enforcement and regulators have failed in their attempt to prevent the violence and destruction. This is all extremely troubling and a direct result of the federal government's failure to fully implement treaty rights for First Nation fishers. Le comité a attendu 30 témoins au cours de la dernière année. Shelley Denny fait partie de ce nombre. Elle espère que le rapport attirera l'attention des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. I really think it's very important that Canada be aware of, you know, these issues are not just in Nova Scotia. This affects more than the Mi'kmaq. So I think it's very important that they shed more light and more awareness on some of the challenges that the First Nations have been having. L'étude a commencé au printemps, après que la Première Nation Sebaganagadi a lancé sa pêche autoréglementée à l'automne 2020, ce qui a fait fortement réagir les pêcheurs non autochtones. La GRC et les agents de pêche ont été accusés de ne rien faire. Le rapport intitulé « Paix sur l'eau » contient 10 recommandations, comme le transfert de casiers commerciaux aux pêcheurs autochtones, et demande au gouvernement fédéral de s'attaquer immédiatement au racisme systémique au sein du ministre des Pêches et des Océans et la GRC. So the ugly reality of racism in Nova Scotia and elsewhere is quite evident and undeniable. So we strongly recommend that that the government consider doing more public education. Une autre recommandation consiste à transférer la responsabilité des pêches du ministre des Pêches et des Océans à celui des relations couronne autochtones. Cependant, l'attaché de presse du ministre de Pêche et des Océans, Claire Teckman, a répondu à ce qui suit. La ministre Murray et le MPO continueront de travailler avec les Premières Nations signataires des traités pour mieux mettre en œuvre leur droit de pêcher dans la poursuite d'une subsistance conveniable. Le gouvernement fédéral a 150 jours pour répondre au rapport. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle Nationale d'OPTN, Halifax.